Non, mais ça alors, quel culot. Cet air marin tire la peau, non? Comparé à celui de Midgar, il est plutôt agréable. Il est un peu trop salé à mon goût, si tu veux mon avis. On n'est pas bien là. Je ferais mieux de jeter un coup d'œil. C'est nous. Tu me diras la suite une autre fois. Alors, Cloud, ça donne quoi? Les manteaux noirs ont été réunis en deuxième classe. Il n'y a aucun signe de la Shinra. On peut enlever nos déguisements maintenant. D'accord. Alors, pour finir, garde à vous. Ce fut un honneur. Au fait, Rufus t'a proposé un marché, pas vrai? L'intervention de la gamine Shinobi a tout fait tomber à l'eau, mais honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Peu importe qui la préside, la Shinra reste la Shinra. Je veux pas négocier avec eux. Chers passagers, bienvenue à bord du Shinra 8. Ici Titov, votre capitaine. Notre croisière vers Costa del Sol se passe bien, et nous devrions arriver à l'heure prévue. Nous sommes ravis de vous avoir à bord, et vous souhaitons à tous un excellent voyage. À ce propos, si vous souhaitez vous divertir, sachez qu'un tournoi de Queen's Blood va bientôt commencer. Nos passagers désireux d'y participer pourront s'y inscrire dans le salon. Nous espérons vous y voir nombreux. Il y a un tournoi de Queen's Blood. Allez. Caramel, ils sont tous pour moi. Notre destination, Costa del Sol.
cérémonie, c'est vrai. La blessure lors de la chute du plateau du secteur 16 m'avait déprimé. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, mais finalement, ça m'a bien. Je suis désolé, mais seuls les membres de l'équipage peuvent entrer. Cet espace est réservé aux passagers de première classe. Je vous remercie de votre compréhension. Tu vas participer, pas vrai? Peut-être. Allez, on se voit au tournoi. Toi aussi, tu participes? Oui. Ça m'intéresse de voir à quoi jouent les humains. Allez, je vais m'inscrire. Je suis terriblement désolé. Les animaux ne sont malheureusement pas autorisés à participer au tournoi. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez vraiment que je ne suis qu'un vulgaire animal? Tu t'inscris? Bien sûr! Il y a un super prix à gagner! Ça m'intéresse! Ah bon? Au fait, tu vas pas te changer? Pourquoi? Je commence à bien aimer ce costume. Ça me va plutôt bien, non? Ce petit côté vieux loup de mer. Le comptoir est libre. Je fonce! Pour les inscriptions au tournoi de Queens... J'ai hâte de commencer le tournoi. Tu penses que l'un de nous pourrait gagner? Je sais pas trop. Tu pourrais être plus optimiste. Il faut croire en soi, pas vrai? Ah, c'est mon tour, on dirait. À plus tard. Dis, Cloud, toi, t'es bon à ce jeu? Plutôt, ouais. On verra si tu peux me battre. Sur ce, à plus tard. Vous souhaitez participer au tournoi de Queen's Blood? Parfait. Puis-je avoir votre nom? Cloud Strife. C'est noté, Monsieur Strife. Avez-vous vos propres cartes? Oui. Très bien, vous voilà officiellement inscrit. Je vous souhaite bonne chance et amusez-vous bien. Chers passagers du Shinra 8, le tournoi de Queen's Blood est ouvert. À présent, tous les joueurs sont réunis et prêts à en découdre.
Lequel parmi eux aura l'honneur de remporter notre prestigieux trophée? C'est moi, votre capitaine, qui vais commenter la compétition. J'espère que vous passerez tous un très bon moment avec nous. Le chemin vers la victoire se fait un pas à la fois. Et le premier pas, c'est celui de trouver son premier adversaire. Vous n'êtes pas là pour vous retirer du tournoi, si? À présent, faisons le point sur la situation des participants. Commençons avec notre premier match. Regina est sans égal. Elle a vraiment plus de l'atout dans son jeu. Regina n'a pas volé sa réputation de joueuse exceptionnelle. Comptez sur moi pour t'encourager. Bonne chance pour le tournoi. Vient ensuite le deuxième match. Je vous souhaite bonne chance pour le premier tour. Il semble inarrêtable lorsqu'il joue comme il vient de le faire. Félix, prenez-moi dans un instant, c'est vrai. Félix, c'est vrai. Et maintenant, notre troisième match. Promets-moi qu'on s'amusera ensemble. Le sourire d'Andy révèle tout. Je suis complètement sur le champ. Le thème est très irrité. Il y a de l'orage dans l'air. Tiffany détruit Pauvre Aerys, la partie se complique pour elle. C'est vraiment meilleur que je joue rien. Vous essayez des matchs en Félix, promets-moi qu'on s'amusera ensemble après. Je trouve qu'il y a beaucoup de passagers un peu rustres sur ce bateau. Salut! Alors c'est contre toi que je vais jouer. Moi, je m'appelle Félix. On va voir qui est le meilleur. Eh ben, t'en fais une tête! Eh, hey, détends-toi un peu! On est là pour s'amuser! Félix? Assez parlé. Jouons. Ah ouais, direct! Dans ce cas, c'est toi qui l'auras voulu. Que la partie commence! Bien, commençons. Alors, comment on fait déjà? Autant garder mon atout pour plus tard. Allons-y. Plutôt celle-ci ou celle-là? Félix se permet de ridiculiser son adversaire. Impressionnant. Chapeau bas. La concentration de Cloud est inébranlable. Félix se permet de ridiculiser son adversaire. Impressionnant. Je vais tout donner. Je perds là, non? Je serai le vainqueur. Cloud accule petit à petit son adversaire. C'est impressionnant. Félix s'est endormi. Attendez, se pourrait-il qu'il fasse semblant? Je vais tout donner. Hé, hey, dis donc! Tu pourrais être un peu plus sympa! Je suis sur la bonne voie. Vous avez vu ça? Félix est si sûr de lui qu'il ne peut s'empêcher de sourire. Regardez ça! Cloud est comme un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Félix s'est endormi. Attendez, se pourrait-il qu'il fasse semblant? À moi la victoire. Cloud est impitoyable. Quel tacticien! Je dois trouver un moyen de retourner la situation. Cloud n'a pas encore abandonné tout espoir de gagner. Pour cette victoire. Au plaisir, mec. J'ai perdu. Ce
Ce match se finit sur une défaite. C'est dommage. Vraiment dommage. Je suis sûr que Cloud fera mieux au prochain match. Bien, suite à cette défaite, qui Cloud va-t-il affronter maintenant? Il peut faire face au même joueur ou bien sélectionner un autre concurrent. Cela dépend entièrement de la stratégie de Cloud. La meilleure joueuse de tous les tournois. À présent, voyons comment on s'en sort. Je suis enchanté de vous rencontrer. J'ai l'honneur d'être votre adversaire pour ce duel. Je dois jouer contre un robot. Oui, je me présente. Mon nom est Wise 3.0. D'après mes calculs, je devine que votre coefficient tactique est élevé. Mon coefficient? Sachez néanmoins que je suis destiné à devenir le meilleur joueur de Queen's Blood du monde. Même si je n'ai actuellement que des défaites à mon actif. Je sais que mon coefficient tactique va très vite augmenter. Vous allez voir de quoi je suis capable. Initialisation du protocole Queen's Blood. Bien, commençons. Nous pouvons commencer. Allons-y. Chapeau bas. La concentration de Cloud est inébranlable. Alerte. Dysfonctionnement détecté. Cloud accule petit à petit son adversaire. C'est impressionnant. Placement des cartes terminé. L'IA de Wise dépasse toutes les attentes. Quelle surprise! Je serai le vainqueur. Alerte! Situation critique! Wise a perdu le contrôle du jeu. C'est la panique! L'IA de Wise dépasse toutes les attentes. Quelle surprise! Cloud accule petit à petit son adversaire. C'est impressionnant! Wise est en surchauffe. Rien ne va plus! Astreint-là, je vais perdre. Situation favorable. J'aurai ma revanche. Cloud a vraiment perdu cette partie de feu. Voilà qui est bien dommage. Bien, suite à cette défaite, qui Cloud va-t-il affronter maintenant? Il peut faire face au même joueur ou bien sélectionner un autre concurrent. Cela dépend entièrement de la stratégie de Cloud. Mes chers passagers, je vais faire le point sur la compétition. Commençons avec notre premier match. Elgina l'emporte. Grâce à cette victoire, elle continue de monter au classement. Est-ce qu'un des autres participants sera capable de l'arrêter? Il semble inarrêtable lorsqu'il joue comme il vient de le faire. Quel coup dur pour paraître! Cette défaite imprévue qui l'arrête net dans son élan a dû blesser son ego. Oui, vous n'êtes pas là pour vous retirer du tournoi? Troisième match. Si? C'est avec élégance qu'Andy gagne ce match. Il progresse avec classe dans ce tournoi. Mais je comprends. Dans ce cas, profitez bien du reste du tournoi en tant que spectateur. Cloud a jeté l'éponge. On dirait qu'il a perdu toute volonté de se battre. Le dernier tour de ce tournoi acharné est terminé. Et nous pouvons maintenant annoncer le nom du grand vainqueur. Veuillez applaudir. Pas si vite, mon cher capitaine Titan. J'aimerais qu'on m'accorde un match. C'est vraiment pas facile de rester sur deux pattes. Qu'est-ce qui t'arrive, mon
chéri. Quelle surprise! Un nouveau prétendant au titre vient de lancer un défi de dernière minute. Son audacieuse requête va-t-elle être acceptée? Nul ne connaît le niveau de notre mystérieux compétiteur. Sera-t-il à la hauteur? Red, je reconnais tout à fait qu'on puisse me confondre avec un animal. Mais bon, déguisé comme ça, tout le monde n'y voit pas. Le plan parfait. Tu sais que tu trompes personne, là. C'est parce que tu me connais que tu dis ça, c'est tout. Mais tu vas voir, j'ai raison. Ce n'est pas vraiment le moment de se poser des questions sur ce que je suis réellement. Regina, acceptes-tu mon défi? J'ai aucune raison de le faire. S'il te plaît, juste un match. Bon, eh bien, puisque tu insistes... Commence donc par affronter Cloud. Je veux voir ce que tu vaux d'abord. Ça me va. Alors Cloud, tiens-toi prêt. Attendez, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Allez Cloud, bonne chance. Allez Red, tu peux le faire. Allez, on veut voir ça. C'est parti! Bien, commençons. T'y tenais vraiment, hein? Évidemment. Autant garder mon atout pour plus tard. Je serai le vainqueur. Je vais tout donner. Ça se passe plutôt bien. Continuons comme ça. Allons-y. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Tout donner. Je suis en mauvaise posture, mais je compte bien me battre jusqu'au bout. Je suis sur la bonne voie.
Je serai le vainqueur. Mon instinct guerrier se réveille. Tu n'as encore rien vu. À moi la victoire. Allons-y. Autant garder mon atout pour plus tard. Je vais tout donner. Mon instinct guerrier se réveille. Tu n'as encore rien vu. Je suis sur la bonne voie. Je suis vaincu. Tu es très fort, Clark. Toi aussi. C'était un beau duel. Comment ça se fait que tu joues aussi bien ? Tout bon chasseur s'est observé. C'est comme ça que j'ai assimilé les règles et ensuite élaboré des stratégies. Il m'a suffi de les appliquer en jouant. Je vois. Impressionnant. Le vainqueur du match amical est donc l'Astral. Nous avons assisté à une partie passionnante. Bien, tout ceci était certes inattendu. Mais Regina reste notre championne et ce trophée lui revient de droit. Chers invités, toutes les bonnes choses ont une fin. J'annonce donc la clôture du tournoi. Remercions chaleureusement tous nos participants qui nous ont offert un spectacle exceptionnel. Nous continuons de voguer tranquillement vers Costa del Sol. Au nom de l'équipage, je vous souhaite une excellente fin de voyage. On s'est bien amusé. Ouais. Arrête, tu m'as vraiment étonné. Je ne pouvais pas rater une telle occasion. Tu as très bien fait de la saisir. C'était impressionnant. Bon, et maintenant? Quand est-ce qu'on doit arriver? Demain matin. Dans ce cas, on ferait sans doute mieux d'aller dormir. Bien amusé, non, du tout. Ces émotions m'ont épuisé. Ouais, bonne idée. Si l'occasion se présente un jour, on pourrait se faire un petit duel tous les deux. Si l'occasion se présente un jour, on pourrait se... Ici votre capitaine. Ceci n'est pas un exercice. Tous les passagers sont priés de retourner dans leur cabine. Personnel militaire Shinra, veuillez vous rendre sur le pont au plus vite. Personnel militaire, ça doit être nous. Prenez ces escaliers.
Dépêchez-vous! Des créatures ont encerclé le navire. J'en ai jamais vu autant. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ok, comptez sur nous. Je vais m'assurer que tous les passagers sont bien dans leur cabine. D'ailleurs, vous, vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Merci beaucoup. Par ici. Voilà. Et... J'arrive.
créatures ont réussi à s'infiltrer. Et le capitaine? Il est parti en disant qu'il allait chercher une arme, pourvu qu'il n'ait rien. Actuellement près de Costa del Sol. Le navire a été attaqué par des créatures qui nous ont encerclés. Heureusement, un groupe de gardes qui se trouvait à bord est en train de s'en charger. Et... Des passagers en manteau noir et des créatures ont... Comment pourrais-je expliquer ça? Ils ont... comme fusionné. Professeur Ojo, et la sécurité publique m'a demandé de vous en informer. Alors comme ça, la nouvelle mutation entraîne une fusion. Et en biologie, lorsqu'il y a fusion de deux organismes, seuls les gènes dominants survivent pour former un être supérieur. Capitaine, c'est une grande avancée scientifique qui se joue peut-être sous vos yeux. Il faut absolument que je mette la main sur un échantillon de ces créatures. Que dois-je faire, exactement? Si vous acceptez de participer personnellement à mon expérience, je promets de vous retrouver et de bien vous traiter. Toutefois, pensez bien à porter un signe reconnaissable, d'accord? C'est Barrette. Allons-y. Thank you.
Éloignez-vous d'eux tout de suite. Ces hommes en manteau noir peuvent fusionner avec les créatures et se transformer en monstres encore plus dangereux. En tant que capitaine, il est de mon devoir de les éliminer. Non ! Attendez ! Thank you.
laisse pas avoir, Cloud. Je me laisserai pas avoir. Annonce à tous les passagers. C'est votre capitaine qui vous parle. Sachez que la situation est désormais sous contrôle. Nous avons repris notre route en direction de notre destination. Notre arrivée à Costa del Sol est donc toujours prévue pour demain matin. Au nom de l'équipage du Gigramite, je vous souhaite une nuit de repos bien méritée.